quand il aura plus d'expérience, quand il sera mieux conduire, on achètera une plus grande voiture. Mais non, mais je vais me taper la honte avec une voiture pareille. Bon, écoute... Ton père et moi, on a commencé par des petites voitures aussi. Hein. C'est vrai, et ta mère, elle roule encore en Mini Cooper. Hein. Du théâtre interactif comme moyen de prévention. Ou comment évoquer les dangers de la route avec les jeunes sans paraître trop moralisateur. Au lycée Caramino d'Aigleton, entre deux rires, le message a l'air de passer. On se rend mieux compte des choses, quoi. Voilà. On vit mieux la scène. Je trouve que c'est un meilleur moyen que les grands discours qu'ils peuvent faire. Le fait de le jouer, c'est comme prendre un petit peu conscience qu'il ne faut pas prendre la voiture trop vite ou quand on, comme il l'explique, quand on boit. La pièce, une reconstitution d'un fait divers réel, un accident mortel, ses causes et conséquences, un outil ludique qui n'occulte pas la gravité, idéal pour responsabiliser les futurs conducteurs. C'est un théâtre participatif. On demande leur avis aux jeunes, aux lycéens, et on leur demande éventuellement de participer avec nous au spectacle. Donc oui, je pense que c'est un bon outil. Semaine de la sécurité routière oblige, les actions de prévention vont se multiplier ces prochains jours. Indispensable, depuis janvier, on dénombre 205 blessés et 7 tués sur les routes corréziennes.